Bonjour tout le monde. Hello. Et bienvenue sur la chaîne LMAB FR. Aujourd'hui c'est une vidéo sans Samy, mais vous avez Fred, vous avez Valentin qui est le patron de notre distribution française Babylon Fishing et moi, Tony de LMAB. Et nous sommes... Et moi, Daniel. Et Daniel qui est derrière la caméra. Maintenant, il ne parle pas trop français, mais c'était pas trop mal, déjà, ce qu'il a dit, là. On est en Allemagne, et nous avons vous invité pour pêcher brochet. Yep. Probablement, on verra. On l'espère. On espère. On croise les doigts. Et oui, et vous avez des expectations pour aujourd'hui? Que des gros. Que les gros. On va pêcher, je pense, avec les gros cuffy. Soit les perches ou les plots, 126, 123, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, je pense que tu vas faire 3. Et on m'a dit que ces heures-là ne prenaient que des gros poissons. Voilà, donc ça va être c'est sûr. Peu de touches probablement, mais on espère vraiment du gros poisson, en tout cas c'est pour ça qu'on est venu ici. Très modeste les Français, comme l'habitude. Allez, il ne faut pas perdre de temps, allez pêcher, allez, on y va. Moi avec un cuffy Roadshed 26 cm Galaxy, moi je crois beaucoup dans ce couleur. Et Valentin il a commencé avec un Perchette 23 cm Motorhead Perch, alors aussi plutôt naturel. Fred aussi avec un truite Fario, truite Fario, ouais. Brown Trout, et c'est que Daniel qui pêche un peu plus clair, mais on verra s'il y a une couleur ou quelque chose qu'on peut apprendre et peut-être adapter plus tard. Qu'est-ce qu'on fait là, Fred? On ponce. On a poncé les zones profondes et là on essaye de voir si on passe pas à côté de la pêche en allant sur des cassures moins profondes en fait. On pêche sur des plateaux à 3-4 mètres proches de tombant pour voir s'ils sont pas là en fait un peu plus haut. Dans le doute, il ne faut pas laisser passer ce type de raisonnement en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben voilà, si ça ne marche pas dans le profond et puis il y a quasiment passé la journée, il faut quand même vérifier. Sur des zones plus shallow, j'ai pas changé de leurre, je suis toujours resté sur du gros. C'est l'hiver, commence à faire froid, donc je pense que si de toute façon il y a un poisson actif, un coffee en 26 cm ça leur fera pas peur, et de toute façon on cherche quand même des poissons relativement gros, donc ça c'est une bonne bouchée, j'y crois, j'insiste. What you say? On the side scope, the light? Boat is on the top or on the bottom? What is that? On top. Did you have a bite? Yeah, I don't know. Shit, had a night bite and I had a bite. Ah,
was a nice bite. Well, actually wasn't such a nice bite. I just like felt something like in the rod. That was the problem. It wasn't like a nice like hard bite, but I could then suddenly feel that it was, yeah, something just like the, it was like stuck on the rod. I did strike, but no fish. At least it's a bite. Après le petit repas, la casse-croûte, il n'y a pas beaucoup de change, il n'y a toujours pas de poisson, mais on va pas avoir beaucoup de lumière, je pense peut-être une demi-heure ou une heure, mais quand il n'y a plus de lumière, il nous reste deux autres options. On peut essayer de trouver un cendre. Et on peut aussi essayer à la verticale pour un gros brochet. On est toujours très motivé de ne pas sortir le bateau sans un poisson. Alors on verra. Peut-être on va être très frustré ce soir. Mais pour maintenant, pour l'instant, on est toujours très motivé. Difficile aujourd'hui. Yes! Yes! Allez! Allez! Poisson! Poisson! Man, that was crazy! Insane. C'était incroyable, je l'ai vu arriver derrière. Chaos! C'est beau ça! Perchet 23. Ce coffee perch 23. J'ai changé la couleur. Purple Rave. Purple Rave. Wow! 1 meter 15. 114. 115. Allez, 115. Ah, allez, presque. 115. Freddy, 115, man, that's a huge fish! Woo! Nice, man! And the weight, le poids. Yeah, yeah, it's 10 kilo fish, poisson. For sure. C'est presque un personal record, hein? Ouais. C'est presque. Presque. 200. Yeah, man! What a fish! Really nice! C'est pour ça qu'on est venu. Quel brochet! Énorme! Magnifique! C'est un très 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 bon poisson. Oui. Avec le dernier lumière. 2 cm de mon personal best. Oui. C'est mon record. Quel poisson, 115. Incroyable. Bien fat. Et en plus, oui, c'était 10 kg de plus, peut-être 11, 12 kg, je sais pas. On n'a pas de possibilité pour peser, ouais. Peser, oui. Mais incroyable poisson, ouais. je pense qu'on a aussi bien travaillé pour ce poisson. Oui. Aujourd'hui, c'était pas facile. On n'a rien lâché, ça c'est les enseignements des pêches d'hiver. Rester avec le gros leurre. Ouais. La perche en 23. Hein. Là, oui. J'ai juste descendu d'une taille, je suis passé de 26 à 23, mais parce qu'on est remonté un peu avec la nuit qui arrivait. On a décidé de remonter pêcher sur un peu plus haut sur la cassion. Et ça se développe vraiment à une colorie préférée pour oui. Fred, je pense. Oui. Dans le YouTube Predator Cap, il a déjà attrapé avec ses couleurs. 99. Avec un shad un peu plus petit, 14 cm, mais le même shad, même façon et aussi même couleur. Un shad que j'aime beaucoup grâce à l'amplitude en fait de la caudale. Par rapport au blic, le perche a une amplitude beaucoup plus grande et il envoie beaucoup de vibrations. Vous avez vu qu'on a commencé avec des leurres plus naturelles,
le matin, mais on a terminé avec quelque chose avec beaucoup de contraste, un peu plus flashy. Bon, en tout cas, c'était mieux. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, la petite cloche si vous avez aimé. Et nous, on retourne sur l'eau dès demain. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.